Comment mettre une personne en PLS? Comment la mettre sur le côté? On va le faire en plusieurs étapes. La première chose qu'on va réaliser, si la victime porte des lunettes, on va les enlever. Pourquoi enlever les lunettes? Tout simplement, éviter que les lunettes ne cassent ou ne blessent la victime. La deuxième chose qu'on va faire sur la PLS, si la victime n'a pas les jambes resserrées, on va les resserrer. Donc on vient au niveau de ses jambes et on les resserre. Pourquoi les resserrer? Dans la PLS, on va devoir lever un genou. Ce genou va nous servir de levier. Donc, il faut que le levier soit sur l'axe de la victime pour que la bascule soit efficace. Ensuite, le bras de la victime qui est de notre côté à nous, secouriste, on va le mettre à angle droit. On peut le mettre comme ça, mais quand la victime n'a pas une articulation de l'épaule qui permet de poser au sol, le bras prend son pli naturel. On va au moins le mettre à 90 là pour que la victime puisse se stabiliser sur le côté au niveau de ses épaules. On va venir chercher le bras opposé. On va placer notre paume de main contre la sienne. Et on va venir placer le dos de sa main contre son oreille. Moi j'appelle ça un oreiller. Si on devait dormir sur le côté sans oreiller, on mettrait notre main pour nous tenir notre tête et éviter le torticolis. Ça va préserver les cervicales de la victime. Je ne lâche plus, la victime est inconsciente, aucun muscle ne tient. Si je lâche la main repart et retombe au sol. Une fois que j'ai fait ça, je vais venir saisir le pli extérieur du genou. Et je tire. Je vais tirer jusqu'à ce que son pied arrive à plat, au sol. Ça veut dire que stratégiquement, son pied va se retrouver à la hauteur de son autre genou. Je viens de constituer le levier qui va permettre de basculer la victime sur le côté sans effort. L'intérêt de la technique de cette PLS qui est réalisée depuis de très très nombreuses années sans avoir été modifiée, c'est qu'elle permet de basculer n'importe quelle charge pondérale sur le côté sans effort, puisqu'on a un levier. Je suis presque prêt à basculer. Avant de pouvoir basculer la victime, je me recule pour éviter qu'elle arrive sur mes genoux. La petite astuce, c'est d'essayer d'aligner vos genoux à son coude. Son corps ne dépassera jamais son coude, donc au moins, elle n'arrive pas sur vos genoux. Et là, je vais exercer une traction sur le genou, délicate, c'est une victime, donc on la manipule avec délicatesse, jusqu'à ce que le genou vienne se poser au sol. Et on voit que la victime, elle a roulé d'elle-même. J'ai pas forcé. Une fois que le genou est au sol, cette main devient libre, mais l'autre main qui est en contact avec sa main à elle va être encore bloquée. Pour pouvoir dégager ma main sans que la sienne bouge, je bloque au niveau de son coude. Je dégage, je fais glisser ma main délicatement et la victime se pose sur ses bras. Là, elle est déjà stabilisée au niveau de ses épaules. Par contre, vous voyez ici, elle peut encore glisser. Donc, on va venir maintenir au niveau du bassin et on va faire un angle droit entre sa hanche et son genou. En exemple, je demande souvent comment on fait tenir une moto sur le côté et on me répond une béquille. Eh bien ça va constituer la béquille de la victime qui va la maintenir et la stabiliser, sur le côté. Une fois que la personne est bien sur le côté, n'oubliez pas, je dois permettre aux éventuels liquides gastriques de s'écouler vers l'extérieur. Donc je ne bouge surtout plus la tête, je fais une pression sur le menton pour rouvrir la bouche et permettre aux éventuels liquides gastriques d'aller couler dehors. La personne, elle est sur le côté, la langue, elle est naturellement repartie dans son logement, la bouche. Il va pouvoir continuer à respirer et je vais m'en assurer en mettant ma main contre son abdomen. Et je vais vérifier cette respiration tout le temps jusqu'à l'arrivée des secours.